fondamentale sur le plan artistique, puisqu'effectivement, tout ce qu'on appelle, bon, moi je vais vous parler de ce qui m'intéresse, parce que moi je ne suis pas historien, je suis historien de l'art, effectivement par rapport aux objets, il va y avoir un renouvellement de la production avec le style coloré dont on a parlé, donc les montages en batte, le cloisonné, etc. C'est des choses qui vont marquer après les arts sacrés, les arts précieux pendant tout le Moyen-Âge, enfin l'époque gothique, on retrouve encore des battes. Ce qui est intéressant aussi dans cette époque-là, c'est qu'avec les Mérovingiens, on sent qu'il y a d'un autre côté, quelques ruptures avec l'art du passé, puisque on a en tête cet art classique, cet art romain, pétri de naturalisme. En fait, vous savez ce que c'est le naturalisme, on représente les choses telles qu'elles sont dans la nature. Alors que chez les Mérovingiens, chez ce que les Romains appelaient barbares, il y a cette propension en fait à l'abstraction dans le motif, le goût pour la simple couleur, etc., le goût pour le simple motif. Et les deux vont se mélanger dans les arts, donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc c'est des choses qui sont quand même assez importantes pour nous vivant actuellement en Occident. Nous avons devant nous un certain nombre d'objets retrouvés donc à l'occasion de l'agrandissement du cimetière de Charleval en 1874. Donc on a ici des témoignages justement de culture matérielle de l'époque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en dépit du contexte et du supposé contexte funéraire, puisqu'on est tributaire justement des conditions de trouvailles qui sont celles du 19e siècle, il faut comprendre que le contexte funéraire, les morts quelque part, nous donnent énormément d'informations sur les vivants. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir effectivement de cela en termes de culture matérielle pour l'époque mérovingienne, c'est qu'effectivement, pour notamment les objets de parure, il faut comprendre que les objets de parure et les armes participaient de l'ostentation sociale. Avoir des beaux bijoux, des armes, etc., ça participe justement, c'est un marqueur social qui peut être fort. Et on a parfois des objets qui sont vraiment très précieux et nous sommes certains qu'ils appartenaient à l'élite. Parfois on a des objets intéressants, de qualité, qui n'ont pas forcément nécessairement appartenu au plus grand prince mérovingien, au plus grand seigneur mérovingien. C'est certainement le cas ici, mais c'est quand même des choses qu'ils vont avoir en tête. Donc très rapidement, il faut comprendre justement que l'époque mérovingienne s'inscrit dans une certaine continuité vis-à-vis de l'époque gallo-romaine, notamment par rapport aux typologies. Vous savez ce que sont les figures, là, les fibules, nous n'en avons malheureusement pas ici. Les fibules, ce sont les pièces qui se mettent sur un morceau de vêtement pour le maintenir attaché. Vous savez que les fibules sont héritées justement du monde gallo-romain. Pareil pour toutes les plaques boucles que vous voyez ici, donc on en reverra tout à l'heure. Donc vous avez une plaque boucle avec un ardillon, on reviendra sur les typologies dans un instant, ou même les fers de lance, c'est des choses qui existaient déjà à l'époque gallo-romaine. Là où effectivement les Mérovingiens vont vraiment innover, c'est qu'ils vont revitaliser ces éléments de parure avec des éléments d'ornementation et de techniques nouveaux. On parle de style coloré justement, donc hérité des régions danubiennes dans l'Est, et donc ce style, ce goût en fait, cette propension pour la couleur, les choses qui brillent, etc., aurait été ramené en fait vers l'ouest de l'Europe au fil justement de ces migrations. Bon. C'est comme ça que va se développer progressivement en Occident ce qu'on appelle le cloisonné, donc avoir des pierres qui se côtoient, donc souvent des grenats, ou pourquoi pas aussi des pierres montées en batte. Donc une pierre, vous savez, on ne sait pas tailler les pierres à l'époque. En fait, on fait des cabochons et pour les faire tenir, on fait un petit cercle de métal. Donc, d'autres techniques, le miel, la damasquinure, vont énormément se développer justement à cette époque-là. Donc il faut quand même rendre aux Mérovingiens, ce n'est pas encore une fois les Mérovingiens, ce n'est pas une période intermédiaire entre l'Antiquité et une époque de Renaissance carolingienne beaucoup plus glorieuse. Sur le plan des armes, pareil, quelque chose qui est typiquement mérovingien, c'est le scramassaxe que vous avez ici. Donc le scramassaxe, c'est une arme de défense, en fait, c'est une arme blanche. Donc cette arme, en fait, a la particularité de n'avoir qu'un côté, qu'un seul tranchant, donc vraisemblablement ce côté-là qui était tranchant. Et l'autre particularité du scramassaxe, c'est qu'effectivement, la poignée de maintien est complètement solidaire, faite dans la même matière, justement, que la lame. C'est en fait un coutelas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est typique de l'époque mérovingienne. Alors l'autre point, les échanges existaient, notamment au niveau de l'élite, hein, puisque il faut comprendre que l'élite de l'époque, elle partageait, en fait, avait des goûts communs. C'est un petit peu comme aujourd'hui, en fait, il y a des goûts en fait élitistes qui sont partagés par une grande communauté de gens, quel que soit l'endroit en fait en Europe. Et en Normandie notamment, en termes d'échanges, bah écoutez, on a retrouvé dans le contexte normand mérovingien des pièces fabriquées en Burgondie,
en Aquitaine, des pièces d'obédience stylistique en lien avec l'Italie ostrogothique, l'Espagne visigothique ou pourquoi pas orientale. On a même récemment réidentifié en fait dans nos collections un fragment de casque d'origine soit parthe, sassanide ou byzantine. Voilà, donc ça peut aller très loin dans les échanges. Donc ici, dans les typologies d'objets, grosso modo, donc là, rien de précieux, hein, on peut avoir du mobilier en or avec des grenats ou de l'argent doré. Ici, on est sur du mobilier intéressant, mais qui ne présente pas de surprise ou de caractère exceptionnel pour la Normandie, peut-être à l'exception de ce fer de lance sur lequel on reviendra. Donc des matériaux qui sont réalisés avec des alliages métalliques. Donc ici, on a plutôt des bases ferreuses. Elles sont bien identifiables puisque les corrosions des bases ferreuses, on est plutôt sur cette teinte orangée rouge. Et à l'inverse ici, on ne va pas parler de bronze parce que ce n'est pas complètement du bronze, mais on va dire un alliage cuivreux avec justement cet alliage qui est bien identifiable puisqu'effectivement non seulement il y a le bronze qui se patine avec cette petite teinte verte, mais aussi de la corrosion qui est, je vous le rassure, stabilisée ici sur ces pièces. Qui montre bien que ce sont des alliages de cuivre. Et si on a un épieu, on n'est pas complètement sûr du caractère contemporain de cet épieu avec le reste en fait des produits mérovingiens, puisque vous m'avez compris, nous n'avons pas de rapport circonstancié quant à ces trouvailles. Donc il semblerait, on nous dit effectivement que les pièces proviennent de sarcophages. Pour les armes, c'est assez surprenant, puisque la plupart du temps, on ne trouve pas d'armes en contexte mérovingien dans les sépultures. L'autre point qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que l'inhumation avec du mobilier ne va pas durer tout le temps, en fait. L'inhumation avec mobilier, donc déjà, elle peut être pratiquée par un païen ou un chrétien, d'accord ? C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne veut pas forcément avoir de bijoux, tout ça va se cohabiter un temps. Par contre, il faut retenir effectivement que c'est au tournant des 7e, 8e siècles qu'on va arrêter l'inhumation avec mobilier, d'abord dans les provinces les plus romanisées, les centres urbains, puis après progressivement en fait les campagnes suivent. C'est assez rare quand même d'avoir des armes dans les tombes, donc peut-être qu'effectivement c'est une rareté, ou alors tout simplement peut-être que les pièces n'ont pas été trouvées véritablement en fait dans un sarcophage, ou peut-être sur le site, mais pas dans un sarcophage, et ça malheureusement nous ne le saurons jamais. Donc l'épieu qui est ici, le scramasax qu'on a vu, on en a parlé à l'instant, et cette pièce qui est assez rare justement, qui est un fer de lance, donc une arme de jet que vous trouvez ici, qui est intéressante puisque on peut dire bah, c'est juste un fer de lance, mais pour la Normandie, voilà, c'est un témoignage assez intéressant, pas si fréquent, de fer de lance de cette taille-là. Alors sur le petit mobilier, nous avons différents éléments de parure vestimentaire, avec tout d'abord des systèmes de ceinture en fait. Donc il faut bien sûr imaginer que tout ce qui était courroie était en matériau qu'on appelle organique, donc pas nécessairement conservé. Donc là vous imaginez bien quand la personne n'a pas été enterrée qu'avec des boucles de ceinture, il y avait vraisemblablement une courroie, etc. Donc, est-ce que c'était placé sur le mort ou est-ce que c'était placé à côté? Là encore, ça c'est des éléments qui sont très intéressants et qu'on analyse aujourd'hui, mais à l'époque on ne nous a pas précisé tout cela, donc ça c'est, malheureusement c'est un petit peu dommage. Là on a un élément de châtelaine, donc vous savez une châtelaine en fait c'est une chaîne qu'on a à sa ceinture et à la châtelaine il y a d'autres petites chaînes qui partent et puis on peut y mettre des clés, différents objets, etc. On a tendance généralement à dire que la châtelaine est plutôt quelque chose qui est féminin, mais on ne peut pas être non plus complètement péremptoire là-dessus. Donc ici, plutôt des boucles de ceinture ou d'éléments de fixation de vêtements. Donc une boucle, généralement, elle est constituée, ou une plaque boucle. Donc là, c'est une simple boucle. Donc de la boucle et de cette partie-là qu'on appelle l'ardillon. L'ardillon, c'est la partie qui venait dans le bandeau de la ceinture. Et puis des boucles un petit peu plus grandes, comme celle-ci. Avec une partie qu'on appelle la contreplaque, donc la première partie de la ceinture. De l'autre côté, vous aviez la boucle de la plaque boucle et l'ardillon qui venait en fait se superposer. Donc c'est le cas ici. Là, on a vraisemblablement un passant de courroie, qui laissait vraisemblablement passer une pièce en élément organique. La question qui revient assez fréquemment, effectivement, c'est est-ce qu'on peut un peu mieux caractériser la nature de la personne qui était inhumée à travers le seul mobilier ? Vous savez qu'à l'heure actuelle, la science est complémentaire, l'archéologie a su monopoliser pour son savoir d'autres disciplines sœurs, donc l'anthropologie par exemple, on analyse les os, etc. pour mieux connaître le sujet. Là, malheureusement, vous l'avez compris, je n'ai pas d'informations quant au contexte funéraire. Donc les questions qui reviennent fréquemment, est-ce qu'on a affaire à une tombe d'homme ou une tombe de femme? Voilà.
Donc il ne faut pas avoir d'a priori. C'est vrai qu'effectivement, il y a un certain nombre de typologies d'objets qu'on pourrait plus fréquemment et volontairement associer à des femmes, par exemple des épingles à cheveux, sauf que vous savez que les mérovingiens, les grands princes mérovingiens avaient les cheveux longs. Voilà, ça c'est pour la première chose. Et puis l'autre point aussi qui est assez amusant, bah, c'est la question des pinces à épiler, puisqu'on a retrouvé un grand nombre de pinces à épiler dans des tombes, et il s'avère que ces pinces ont été retrouvées dans des tombes masculines. Voilà. Donc ça c'est aussi amusant. Donc c'est vraiment en fait une compréhension, il faut vraiment mettre en regard tous les éléments de mobilier constitutifs d'une tombe pour les appréhender les uns par rapport aux autres, et puis tout le contexte pour être vraiment affirmé des certitudes. Alors concernant le décor ici, c'est vrai qu'on a des choses plutôt moulées, avec un alliage simple, donc on est bien loin du niel, de la damasquinure, des grenats, etc. Mais effectivement, on remarque quand même sur ces pièces un petit décor d'ocelles, les ocelles, c'est des petits ronds en fait inscrits qu'on a ici. Là aussi, vous avez des ocelles. Là aussi, des éléments de bossette qui viennent animer cette plaque boucle. Alors, cette pièce-là, l'élément de châtelaine est assez intéressant, puisqu'effectivement, vous voyez un motif cruciforme. Cruciforme, on pourrait tout de suite sauter sur la pièce et se dire le sujet enterré avec la châtelaine était chrétien. Bon, il y a plusieurs remarques à cela. Il faut savoir que la croix est un motif complètement universel. Hein, donc, ça, c'est le premier point. De même que l'étoile, c'est des. On ne peut pas, si l'étoile ou la croix, on ne peut pas forcément rattacher ça à une confession particulière. C'est un motif décoratif vraiment universel. Il y a tout d'abord une connotation solaire, ça peut être des rayons, etc. Bon, l'autre point, c'est qu'effectivement, on est vraisemblablement sur des pièces du 6e, 7e siècle, et vous avez compris que la christianisation au 6e siècle est en cours. C'est un phénomène, et puis quand un peuple se christianise, ça ne se fait pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit, ça se fait progressivement. Il peut y avoir, ça peut créer des dissensions, il peut y avoir dans une même famille, dans un même couple, une personne chrétienne, l'autre pas. Et puis aussi, on peut changer d'avis, ce qui complique la chose, on fait acte d'apostasie, on revient vers sa religion d'origine, on renie la nouvelle religion, et il y a eu des apostats. Donc effectivement, comment interpréter cette croix en l'absence d'autres éléments? Il est compliqué, à travers une seule croix, de dire et d'affirmer que le sujet était chrétien. Soit effectivement c'est juste un symbole, une croix c'est un symbole relativement universel, ou alors peut-être que le sujet était chrétien, effectivement il le portait comme tel, ou alors peut-être que le sujet était païen, mais que sa famille était chrétienne, et que sa famille, après la mort, a voulu enterrer la personne avec un signe chrétien. Et malheureusement, ça, nous ne le saurons jamais.